Bienvenue dans la cuisine de Marina. Aujourd'hui, je vais réaliser des tripes de bœuf rôti. La recette est facile et rapide à faire. C'était tellement bon, mon Dieu. Après avoir bien lavé mes tripes, je vais faire bouillir 1h30 à 2h. Oui, les amis, ça prend du temps pour faire cuire les tripes. Pour faire cuire vos tripes, vous ajoutez de l'eau au fur et à mesure, du sel et vous laissez bien cuire là, à feu. Et voilà le résultat. J'aurai besoin de 2 carottes, le poireau, 4 tomates, le poivron rouge et 3 oignons. Je vais couper mes tomates en dés. Les amis, j'ai acheté mes tripes de bœuf déjà nettoyées sur le site internet envidafrique.fr. Je vous mets le nom du site sur la vidéo. Je vais ajouter de l'huile, mes 3 oignons que j'ai coupés. Voilà. Je vais bien mélanger environ 2 à 3 minutes à feu doux. Vous laissez cuire vos oignons. Voilà le résultat. Ensuite, je vais ajouter mes 4 tomates que j'ai coupées en dés. Je vais ajouter ma purée d'ail fait maison. Si vous voulez la recette, dites-moi en commentaire. J'ajoute à peu près 2 cuillères à soupe. Mon épice de viande, voilà. Vous pouvez passer vos commandes directement par WhatsApp ou sur mon site internet, lacuisinedemarina.com. Je vais ajouter 1 cuillère à soupe, hein, c'est suffisant. Mes 2 carottes que j'ai coupées aussi en dés. Je vais bien mélanger le tout. J'ai baissé le feu, hein, les amis, c'est très important. Voilà, parce que là, ça avait déjà un peu cramé. Ensuite, je vais laisser mijoter 8 minutes à feu doux. 8 minutes plus tard, voilà le résultat, les amis. Je vais ajouter mes tripes de bœuf qui sont... En fait, c'est déjà cuit, hein. Voilà. Je vais ajouter mes 1 poivron rouge que j'ai coupé, hein. Mon petit poireau que j'ai découpé aussi en fines rondelles. Je vais bien mélanger le tout. Mon feu est moyen. J'ai baissé un peu le feu. Je vais ajouter 1 verre d'eau. Je vais laisser mijoter 10 minutes à feu doux. Je vais ajouter le persil. J'ai conservé mon persil au frais. Si vous voulez la vidéo comment conserver vos persils, dites-moi en commentaire. Voilà, je vais ajouter le persil. Moi, j'adore le persil, les amis. Hein. Ouais, je fais que me répéter. Retrouvez mes assaisonnements faits maison sur mon site internet lacuisinedemarina.com. Et mes bons cubes, mes 4 côtés, les rondelles, le pébé, aussi sur le site internet lacuisinedemarina.com. Vous pouvez passer aussi vos commandes directement via le numéro WhatsApp que je vous mettrai en commentaire ou en description. Les amis, je livre partout, sauf en Afrique pour le moment. Vu que je n'ai pas encore trouvé de représentant, je vais me renseigner. Je livre en Amérique, en Europe, au Canada. Et voilà les amis, passez vos commandes, vous serez livrés chez vous. Voilà, j'ai ajouté le persil, je vais bien mélanger. J'ai mélangé environ 2 minutes. Et vous pouvez augmenter le feu durant le mélange. Hein. Moi, je vais accompagner mes tripes avec du riz. Vous pouvez l'accompagner avec des bananes plantains frites, bouillies, de l'igname, du chicoin, de la tchéké, comme vous voulez, ça dépend de vous. Les amis, n'oubliez pas de liker et partager si vous avez aimé la recette. Partagez à vos proches, à la famille, aux amis. À demain pour une nouvelle recette.